Et maintenant, place au soccer avec la Confédération Cup, la Coupe de la Ligue de la WSL entre Boston Irish et Salt Lake City Pride. Dans un instant, vous allez donc retrouver Nicky Gibson et Ben Harper. Bonne soirée foot sur nos antennes de PBN Sport. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et nous sommes ici au Merrill Douglas Stadium à San Diego pour le début de cette Coupe des Confédérations, la Confederation Cup de la WSL, pour assister à cette rencontre entre Boston et Salt Lake City. Le stade est plein, avec moi bien sûr Ben Harper, bonsoir Ben. Ça y est, une nouvelle compétition de la WSL qui commence ce soir. Oui, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Nicky. Et voilà, en effet, la World Soccer League reprend ses droits. Et après le petit tournoi en Afrique, hein, oui, qu'on avait commenté avec plaisir, et ben nous voici de retour en Californie. On va rester au soleil en ce mois de février. Et Boston, donc, a posé ses valises ici à San Diego. Voilà, on voit la composition des verts et blancs de Boston, ça a été assez fugitif, mais bon, on vous parlera des joueurs pendant le match. Et en face, c'est également une équipe des montagnes, hein, parce qu'on voyait le Mont Soledad là derrière, sur les belles images là de la télévision californienne. Salt Lake City Pride, qui va jouer en blanc et bleu. Quand même avantage, hein, Nicky, à Salt Lake, après ce qu'on a vu au tournoi en Afrique. Exactement, et puis on va parler aussi des nouveaux arrivés. Car il y a eu une draft il y a quelques jours de cela, qui s'est passé bien sûr en Californie. Et vous allez pouvoir retrouver notamment Billabonga, le joueur que l'on avait suivi lors de la tournée en Afrique et qui a été le numéro 1 de la draft, hein, et qui a été drafté donc à Salt Lake City, qui était la plus mauvaise équipe de la saison dernière. Alors qu'il y a déjà un carton jaune, on joue déjà la troisième minute. Oh là là, ouais. Ah, carrément, ouais, ça, ça n'a pas rigolé, ça n'a pas attendu. Et on avait vu, quand vous parliez de Billabonga, on l'a vu toucher le ballon avec son numéro 14. Oui. Et là, c'est Bayer, numéro 8. Bayer, qui est là depuis le début, voilà, le début de la World Soccer League, depuis 76, depuis deux ans déjà. Et il fait déjà une faute. Alors, l'arbitre, là, c'est Cosimo, hein, ce soir, il a voulu dire un peu, bon, on va se calmer tout de suite. C'est un tournoi, alors, un peu comme le tournoi de la World Soccer League qu'on avait vu en Afrique. Hein, c'est un tournoi un peu amical, mais c'est surtout préparation de saison. Et il y a quand même quelque chose de très important à gagner avec ce tournoi, hormis le prize money. C'est une qualification pour une compétition qui vient de se créer, Nicky. Exactement, la Dunlop Cup, pardon, excusez-moi, qui a été créée. Ouh, attention! Ouh là là! C'est pas possible! On était à deux doigts du but de gag. Ah oui, alors là, vraiment. Ah, ouais, le joueur était en jeu, heureusement. Ah, on était à deux doigts d'un but de gag, là, hein, vraiment en direct. Et oui, donc une nouvelle coupe a été créée par. Alors, ce n'est pas la FIFA, hein, c'est un organisme qui ne fait pas partie de la FIFA. On ne sait pas si la FIFA reconnaît cette compétition, je ne sais pas si elle sera officielle ou pas, mais c'est une sorte de coupe d'Amérique du Nord, en fait. Voilà. Et le vainqueur de cette Confederation Cup aura droit à un ticket pour cette coupe. De toute façon, on vous en parlera parce coupe qu'on de club, coupe de club international. Attention à la passe en retrait sur le gardien. Oui, donc il y aura des clubs des Caraïbes et des clubs d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale. Donc on va avoir du beau spectacle, j'imagine. Oui. Allez, on repart au jeu avec Ulrich qui se défait de deux adversaires, toujours aussi à l'aise balle au pied. Billabonga, on attend beaucoup de ce jeune joueur de 18 ans, hein, qu'on avait vu briller déjà à l'intersaison. Et on se dit que pourquoi pas, ça pourrait peut-être devenir une des nouvelles grosses figures de notre World Soccer League. Boston, en dessous, à côté gauche. Boston qui a beaucoup à jouer. Alors attention avec Bayer qui va frapper. Oh, ça aurait été beau qu'il mette un but après son carton jaune. Hein, il serait bien rattrapé, mais elle est bien partie. Belle frappe, pied gauche et grand gardien issu de la draft. Exactement. Qui n'a pas tremblé. Hein, il a vu tout de suite que ça passait à côté. Exactement. On va parler aussi de cette équipe de Boston qui a beaucoup à jouer aussi, parce que c'est une équipe qui n'a pas montré grand chose lors du tournoi en Afrique, qui a été beaucoup décrié. Ils ont obtenu le gardien qui est actuellement ce soir sur le terrain, la Wurfel. Et il y a aussi Blaine, le numéro 13, qui a été quatrième de la draft, à qui on donne beaucoup d'espoir. Et cette équipe de Boston qui a envie de montrer un visage quand même plus
dangereux que ce qu'ils auraient pu montrer depuis le bah, depuis la création de la franchise, quoi. Depuis oui, oui, mais alors, ouais, ben voilà. Alors, on comprend pas que quasiment les mêmes joueurs d'Atlanta qui avaient gagné la première saison. Attention, une nouvelle fois, la frappe qui passe au dessus. Il a pas de Blake, là, justement, voilà, justement, vous en parliez, Nicky. Ah, il a l'œil, ce Nicky, il reconnaît tout de suite les bons joueurs. Hein. Et ouais, et on comprend pas que ce déménagement de Géorgie dans le Massachusetts ait vraiment complètement perturbé les joueurs, le jeu d'équipe. L'ossature est restée à peu près la même, sauf bien sûr Sir Bobby Charlton, hein, qui était venu faire quelques matchs la première saison. Et on comprend aussi pas que... voilà, et Bates, et oui, c'est sûrement le fait que Bates soit parti aussi à El Paso. Et ouais, ouais, étonnant, étonnant. Mais bon, bah, peut-être que ça reviendra. Allez, Billabonga, justement, que fait-il face à Blaine? Duel de drafté. Il est malmené, Billabonga, en route. Cette première période. Ouais. On voit beaucoup tomber, beaucoup Vous savez, on va pas lui... ouais, oui. On va pas lui dérouler le tapis rouge non plus. Non, hein. Bien sûr. Allez, Mullen. Allez, Mullen, on appuie. Billabonga. Faute. Ah oui, bah, et bah, il goûte encore au gazon. Il va avoir le champ tout vert à la fin de la première mi-temps, si ça continue. Ah, regardez, il l'a déjà un petit peu, hein, quand même. Ouais, ouais, déjà, ouais, il a été plusieurs fois au sol. Mais c'est Brice, je crois. Alors, eh bien, allez, ouais, prends. On n'a pas, ouais, on n'a pas parlé des nouveaux maillots que vous voyez là, que vous découvrez. Hein. Encore des belles créations de l'équipementier de la World Soccer League, hein, bien sûr. Nouveaux maillots et nouveaux logos. Et nouveaux logos aussi. Et les nouveaux logos, exactement. J'espère qu'on pourra, on les a vus peut-être fugitivement lors de la présentation des équipes. Donc la WSL, c'est peau neuve en cette année 78, tout simplement. Ouh, la tête pas assez forte malheureusement pour était grande facilement. Les Boston qui se procurent quelques petites occasions, ils sont assez dangereux devant le but, mais pour le moment ça ne suffit pas pour mettre un joueur ouais, à terre. Pour inquiéter, ouais, bien sûr. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les buts en fin de rencontre, car voilà, parce qu'il y a eu trois autres matchs. Voilà, hein, voilà. Il y a eu des buts. On peut vous dire que ça, ouais, ça a marqué, oui. Ah oui, d'ailleurs, on s'est demandé pour un match s'il n'y avait pas une erreur de retranscription, vu le score. Ah, c'est possible. aussi, vous pouvez rappeler aussi les... s'il y a match nul, que va-t-il se passer? Alors que... il a bon oui, alors on ne fait pas... Oula! On va faire des prolongations. Voilà. Ce coup-ci, c'est les prolongations. En Afrique, c'était les tirs au but. Là, c'est les prolongations. Puis prolongation au but et séance de tirs. Voilà. Oui, voilà, tirs au but si on est toujours match nul. Donc, c'est les prolongations. Attention, Hansola ! Superbe reprise, mais ça passe juste à côté. Et vu le plan de caméra, on a quasiment cru que ce ballon était rentré. Ah oui. Ah ouais. En tout cas, Boston qui montre un très joli visage dans cette première période. Voilà, ouais. Ah bah, ils ont peut-être marre de lire des critiques et d'entendre des critiques sur le jeu d'équipe. Et ils se sont dit, allez. On y va, on va jouer le tout pour le tout. Oula, de gros, oulala, vous avez vu l'interception. Hansola qui est vraiment vif hein, sur le fond de l'attaque. Hansola qui a peut-être été le meilleur joueur hein, de cette tournée africaine. Il avait marqué un super but. Oui, oui, côté, hein, oui. Côté, ouais, bien sûr, côté Boston, évidemment. Et on parle aussi de la retraite de Puig aussi, hein, qui nous a... Et ben voilà, alors voilà, le numéro 14, hein, souvenez-vous, oui. Puig, bien sûr, un historique de la Ligue, et vous avez raison de le préciser, Nicky, il a arrêté sa carrière. Oui. Il a dit, allez, 36 ans, je vais arrêter, et là, ça va être un coup franc. Première occasion pour Salt Lake, alors que c'est bientôt la mi-temps, et c'est Britt hein, qui a fait une faute. C'est Britt, une nouvelle fois. Et ça, c'est dangereux, hein, c'est quand même dangereux de un coup franc aussi près quand on connaît les artilleurs côté. Oh là, oui, il y a Ulrich, il y a Mullen, on sait que Billabonga est capable aussi de tirer des coups francs, donc il y a du beau monde. Ulrich, qu'on a vu faire le jeu de la barre transversale à l'entraînement. Allez, Ulrich qui frappe, oh, et ben voilà, et ben voilà. Il a fait le jeu de la lucarne. Superbe but. Superbe but d'Ulrich. Et tranquillement, ils vont prendre la pause avec Billabonga derrière. On lui a pas dit, Billabonga vient faire la photo avec nous. Ah là là, magnifique. Aucune chance pour le gardien. Ah ouais. Magnifique. Superbe coup franc enroulé. Ouais. Et je crois que c'était vraiment la première occasion. Ah, regardez-moi cette image magnifique. De la première période. Ah oui, superbe. L'image reste sur Ulrich. Superbe but. Lui aussi qui avait été assez brillant lors de la tournée en Afrique. Et ça fait 1-0 pour cette équipe de Salt Lake et Boston maintenant qui est dans le dur. Il va y avoir la mi-temps, ça va leur faire du bien je pense. On se retrouve... Ah, le coup de massue. Ah oui, le coup de massue, exactement. Allez, petite page de pub, on se retrouve pour la seconde période. A tout à l'heure. Mmh.
nous sommes de retour ici au Merrill Douglas Stadium où Salt Lake vient mène 1-0, pardon. Et on a gentiment été accueilli par le... Alors, il n'y a pas de sponsor pour cette coupe spécialement parce que c'est une marque de bière et la WSL a interdit de la marque pour cette Confederation Cup. Mais on nous a offert deux bières qui sont, ma foi, très bonnes avec cette belle frappe. Oui, très bonne. Bah alors, en fait, c'est interdit parce que on connaît, bien sûr, la bière Heinetut, voilà, qu'on ne va pas citer, qui est le fournisseur de bière officiel de la World Soccer League. Exactement. Et qui interdit absolument toute autre marque de mettre leur logo sur une compétition associée à notre ligue. Exactement. Mais on a bu, en effet, une excellente Michetut. Voilà, voilà. Très, très rafraîchissant. Alors, il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Oui, oui, il y a Coudard, voilà, qui est rentré. Coudard qui n'a pas beaucoup joué dans sa carrière. Et il a remplacé Bayer qui avait pris un jaune, mais qu'on avait vu effectuer un superbe tir qui aurait pu donner l'avantage à son c'est équipe. Vrai. Et bon, bah, peut-être que Coudard, on l'espère, il va apporter un peu de peps. Bah, on le voit voilà, à côté droit. Avec Valerio. Valerio. Ah, allez, Hansola. Passe pour Hansola qui va frapper. Oh, le bel arrêt dans de Gant. Dans les gants, ouais. En deux temps, hein, vous avez vu cet arrêt peu académique de boxer le ballon vers le bas et de le récupérer, ouais, à la manière un peu d'un volleyeur peut-être, ou le Rich le ballon. Mais ils sont tranquilles, Salt Lake City, encore une fois, hein, pas de problème pour Salt Lake City, ils mènent 1-0, ils sont à l'aise. Ferreira, beaucoup moins rayonnant que par le passé, il commence à... Pourtant, il n'est pas si vieux que ça, mais ouais. Ouais, mais il fait comme l'équipe de Boston, ça prend pas. De... Ouais, ouais, non, ça prend pas. Non, pourtant, ouais, hein, c'était un sacré passeur. Va y avoir du... Franchement, ouais, déjà, du j'ai l'impression sur le banc. Ouais, 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 ouais. Alors que la frappe de Blaine est complètement manquée. Je pensais qu'elle avait été détournée, contrée, en fait. Non, ouais, non, elle moi même aussi. Pas non, non, bah, il... Ah, si. Il sert... Ah, bah, si. Ah, si, si, il y a corner. Oui, oui. Bon, bah, voilà. Donc, il avait tiré droit, c'est le défenseur qui l'a dévié. Allez, Ferreira au coup franc, au corner, pardon. Ouais, ça, attention au contre, regardez, Murray tranquille. Ah, mais il perd le ballon. Il ne panique pas, Murray, hein, il ne panique pas, il a attendu. Ah, Oftene, vous avez aussi vu qu'il y a eu la balle, oui, le grand néerlandais, un joueur de la draft, enfin de un néerlandais, un américain. Dixième de la draft. Ouais, d'origine néerlandaise, oui, un bon choix. Hansola. Et il jouait aux Pays-Bas, il est arrivé, mais il est américain. Exactement. Ferreira. Il est arrivé à Boston. Ferreira, allez. Oftengue. Voilà, Oftengue. On va apprendre à bien prononcer son nom. Bien sûr. On lui demandera, hein, sinon, comment ça se prononce. Bon, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Oui. Alors, malheureusement, le joueur qui était. Blaine, qui était hors jeu. Et encore une fois, bah, Boston, bah, qui perd un petit peu de sa confiance. Là, on a l'impression que bah, les seules actions qu'ils font. Se transforme en échec. Oui, oui, c'est enrayé assez facilement voilà, par la ça. Défense du Pride. Allez, Hansola qui peut. Il faut donner un peu Kaze. D'une air et de la vitesse à cette équipe, Kaizi. Pour Valerio qui va. Il laisse même pas à Coudard, voilà, c'est Coudard qui permute, mais finalement il va s'enfermer. Regardez, il redonne la balle derrière. Ah, et voilà, donné, et malheureusement, encore une fois, perdu. Ouais. La défense du Pride, ah là, attention, allez, le contre. Ah, eh ben non, regardez, c'est encore Blaine qui récupère la balle. Ils n'ont même pas les contres voilà, favorables. Exactement, ils donnent tout, là, ils essayent vraiment de pousser au maximum Boston, qui fait bien honneur à ce maillot hommage au Celtic Glasgow. Oui. Et ils jouent un peu à la façon du Celtic, hein, d'ailleurs, en se ruant tous à l'attaque, mais malheureusement, c'est trop brouillon pour aller inquiéter la défense du Pride. Alors, vous allez être d'accord avec moi, mais c'est quand même le jour et la nuit par rapport à ce qu'ils ont montré lors de la tournée africaine. Oui, tout ils à fait. Ils ont quand même un jeu un tout peu plus fait. Intéressant, mais malheureusement, bah, pour le moment, bah, comme depuis le début depuis le déménagement, bah, la mayonnaise ne prend pas. Quoi. Bon, c'est que le début, c'est que le début de saison, certes, ils vont peut-être sûrement perdre ce soir. Mais après, bah, le plus important, c'est le championnat qui se déroulera dans deux semaines. Ouais, tout à fait. Allez, Van der Krijsch, mais ça la fout très mal qu'il termine dernier du oui, tournoi. Ben, quand même. Ils ont déjà terminé parce qu'il y aura dernier. Des finales de classement. Voilà, il y aura des finales de classement un peu. Ça, c'est la marque de fabrique de la World Soccer League. Il faut que toutes les équipes jouent quand il y a des tournois à élimination directe.
Et c'est pas mal, puisque ça, voilà, ça prépare tout le monde de manière égale. Exactement. Et c'est perdu encore une fois. Ferreira, Anzola. Pour Valerio. Allez, Valerio. Il a vu cette fois-ci Coudard. Coudard. Il n'est pas attaqué. Coudard, il peut rentrer dans la surface. Ah, bien joué, le défenseur. Ah, bah ouais. Voilà. Il met le pied au dernier moment. Oui, je pense que c'est le pied de Murray qui a dévié ce ballon. Allez, Britt là qui va s'enfermer. Britt, il a récupéré la balle. Britt qui attaque. Ouh! C'était dangereux. Il y a hors-jeu ou il y a faute? Attention. Ça se chamaille. Après, eh ben, c'est les retrouvables. Et après l'Afrique du Sud, elles sont un peu heurtées. Hein. Regardez-les. Oui, le tacle quand même. Oui, bah Van der Krij, d'ailleurs, son nom est tellement long qu'il dépasse de son maillot. Villabonga, justement, qui sort. Bon, il n'a pas été extraordinaire, le numéro 1 de la draft. Premier match, hein, c'est toujours compliqué. Oh, c'est mal joué, le coup franc. Ah oui, alors là. Ah, mais c'est pas fini, Nicky. Allez, Britt. C'est quand même assez mal joué. Kaizi. Ah, il enroule le ballon. Ça passe à côté. Ils n'ont vraiment pas de chance, Boston. Oui, et il y a quand même des joueurs qui ont un sacré pied dans cette ligue. Hein. Vous avez vu. Quasiment arrêté. C'est ce très très joli geste de ballon enroulé qu'on voit pas très souvent finalement, même au football de haut niveau. Et ça a bien failli tromper Grant, le gardien du Pride. C'est dommage. Je pense qu'il y a certains joueurs peut-être. Même pas, Est-ce qu'il faudrait qu'ils changent de franchise pour s'exprimer mieux ailleurs? C'est possible aussi. Ouais. Allez, Valerio, qui n'y a plus trop. Les jambes, regardez comme il traîne un peu. Ouais, la patte, capitaine ce soir en plus. Kaizi, Ferreira. Ouais, la passe pour Crudar. Valerio. Crudar, un des meilleurs en attaque finalement. Valerio pour Mitola qui frappe. Ah, c'est détourné. Et le gardien Grant qui arrive à récupérer le ballon. J'espère qu'on aura la fiche de stats à la fin du match. J'ai l'impression que Salt Lake a fait un tir dans le match. J'ai bien l'impression aussi. Hein. Ferreira. Allez, Crudar. Pour Valerio. Ah, et ça bute encore, ils sont bien placés tout le temps, les défenseurs de Salt Lake City, ils ne paniquent pas, regardez, ils ne donnent pas des grands ballons devant, ils réussissent à faire des échanges de passes et qu'aucun joueur de Boston n'arrive à intercepter. Soto pour Scott, il n'aura pas beaucoup sali son maillot aujourd'hui, non. Tranquille, Mullen qu'on n'a pas vu du tout, Mullen qui se prend un coup, oulala. Mullen, allez peut-être ici, allez Mullen, il va frapper, c'est détourné. Et on dégage comme on peut. Oh. Et c'est fini. Bel arrêt du gardien de Boston. Et c'est fini en effet. 2-0 en faveur de Salt Lake City. Salt Lake qui va donc filer en demi-finale. Et oui. Et Boston qui ira dans le tournoi de consolation, on peut dire. On peut l'appeler comme ça. On a reçu les vidéos des autres matchs. Oui, Cincinnati, voilà. Ouais, Cincinnati qui recevait Miami, enfin qui recevait. Ça se joue tout en Californie, les matchs. Donc c'est Brian. Le numéro 12, Brian, Eddie Brian, maintenant vous le connaissez, avec une superbe passe de Castedo et 1-0 pour les Verts de Cincinnati. Regardez, magnifique reprise entre trois joueurs. On voit Cortés, le capitaine emblématique de Club Atlético, qui n'a rien pu faire. Et donc Cincinnati qui est bien parti. Et regardez cette talonnade de Walsh. S'il avait marqué, ça aurait été un beau but. Mais alors, on a peut-être raté l'égalisation de Aguayer. Il y a Aguayer qui avait donc égalisé à la 81e minute. On est allé en prolongation. Et c'est Jackson qui marque à la 105e minute sur une passe de Leng. Leng qui avait délivré également la passe décisive à Aguayer pour l'égalisation. Et donc 2-1 à la 105e minute pour Miami. Il n'y aura plus de but de marqué. Et c'est Miami qui va emporter ce match malgré ce coup franc de Brian qui file sur le poteau. Et New York et Pittsburgh se retrouvaient à San Diego pour ses quarts de finale. Pas de but, la seule grosse occasion de la rencontre à la 81e minute, et c'est Baker qui frappe, et c'est bien détourné par le gardien. On va rentrer en prolongation, et cette fois c'est Baker, on va l'appeler comme ça, on va se la dire à la française, qui va voir sa tête passer au-dessus. Le boulanger, voilà, Ernie Hull qui avait remplacé De Nicolo, va manquer l'immanquable pratiquement, et regardez, il se retourne, il frappe, mais c'est complètement au-dessus. Mais il va se racheter quelques minutes plus tard. Malheureusement, les téléspectateurs ne pourront pas voir ce but en intégralité car ils ont été. Il y a eu une page de publicité pendant le but. Et donc, intempestive. Voilà.
1-0 et prolongation. On pensait qu'ils allaient remporter la rencontre dans les toutes dernières minutes. C'est Ricard, pardon, qui fait une grossière faute. Et c'est Santini qui égalise. On va tout droit au tir au but. Et vraiment, New York était dans le mal hein, dans cette rencontre. C'était une équipe totalement méconnaissable par rapport à ce qu'on a vu en Afrique du Sud. Malheureusement, Pittsburgh va se montrer très très maladroit devant les buts du portier de Urban, qui va sortir la dernière frappe de Leiden. Et c'est Nicky Hudson qui va avoir la lourde tâche de qualifier son équipe. Le seul buteur avait été... avec des magnifiques chaussures rouges. Magnifiques chaussures rouges d'une marque japonaise. Et regardez, il va prendre à contre-pied le gardien. Et New York c'est beau, se qualifie pour la suite. Mais vraiment, il passe par la petite Quelle porte. Déception pour l'Inter. Voilà, alors Frisco qui est l'hôte du tournoi, qui recevait dans leur stade, en fait, El Paso, le Fuego. Et ça commence fort pour Frisco United avec Encina dès la 29e minute. Avec cette passe, regardez, du numéro 16. Magnifique. Et numéro 16, oui, c'est Juan Guidry, l'excellent jeune joueur drafté tout récemment. Et voilà, Encina qui avait déjà fait un bon tournoi en Afrique et qui continue sur sa lancée. Et il prend, voilà, de la draft. Numéro 3 de la draft. Et 2-0 juste avant la mi-temps avec à nouveau Encina. Et cette fois-ci, c'est Stabler qui avait fait la passe. Donc 2-0 pour El Paso. Ouais, El Paso sans réaction. Frisco United qui, comme en Afrique, a commencé ce tournoi sur les chapeaux de roue, car vous allez voir que ce n'est pas fini. Le score ne s'est pas arrêté à 2-0. Stemmler qui rentre dans la surface tranquillement, hein, qui donne à Encina. Encina pas attaqué, regardez, le défenseur est à 3 mètres de lui. Bon, évidemment, à El Paso, on sait qu'il y a un avant-centre magique, on le reconnaît là, c'est Quentin Bates. Et à l'heure de jeu, il a réussi à réduire l'écart 2-1 avec une erreur de défense, mais il a été suivre son ballon et finalement, en bon avant-centre qu'il est, il n'a pas laissé passer l'occasion. Quentin Bates, il faut dire que l'ouverture était quand même assez superbe. Mais bon, la faute du défenseur, bon, on va pas citer son nom pour pas l'incriminer. Il l'avait dans son dos, là. Oui, on l'a pas vu. Et donc 2-1 à ce moment du match. Mais 10 minutes après, c'est Casado sur une passe encore de l'inévitable Juan Guidry. Casado qui va donner le 3-1. Donc là, on se dit que la messe est dite, l'affaire est pliée. 3 pour Frisco dans un stade tout entier acquis à leur cause, évidemment, puisque c'est leur stade dans lequel ils disputeront toute la compétition. Et vous avez vu, ils ne laissent absolument aucune chance aux gardiens d'El Paso. Et bien sûr, c'est pas fini. Petit extérieur. On vous avait dit qu'il y avait eu des buts. Et il y aura même un quatrième but en toute fin de match. Scottson, qui était rentré peu de temps avant, va récupérer ce ballon suite à un superbe débordement de l'arrière Ellis. Et ça fait 4-1. El Paso qui se prend vraiment une sacrée claque. D'ailleurs, Losada n'a pas voulu aller faire d'interview après le match, l'entraîneur d'El Paso. Il était vraiment dépité. Et en plus, un joli salto de Scottson. Alors, on a le récap, Nicky, des résultats. Voilà, parce que ça a été un peu vite. Hein, peut-être qu'on s'est un peu emmêlé, on s'excuse. Mais bon, bah là, vous avez le tableau sous les yeux pour voir les quatre qualifiés pour les demi-finales. Donc, Urban, ce qui bat Pittsburgh 2-1. C'est ensuite Miami qui bat en prolongation. Cincinnati 2-1, Salt Lake City, on l'a vu ensemble, 1-0. Et Frisco qui donne la fessée à El Paso, 4-1. Et donc on aura trois de belles demi-finales. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces quarts de finale, en tout cas, mon cher Ben? Bah, alors, ce qu'on retient, c'est qu'on a vu quand même des équipes qui jouaient très offensivement à l'image de Frisco ou de Miami, et des équipes comme New York et Salt Lake qui passent en pratiquant un jeu minimal.
Voilà. C'est un peu dommage pour le spectacle, mais c'est des équipes très solides. On sait qu'ils sont vraiment dans les favoris hein, du tournoi à New York et Salt Lake City, bien sûr. Donc, ils ont joué comme des favoris. Bon, hélas, ça fait pas toujours honneur au football. Mais on a vu en tout cas un très très beau match, même si on n'est assisté qu'à un but aujourd'hui. Voilà, alors on l'a pas sur l'ordinateur, hein, mais ce sera Miami contre New York en demi-finale et Frisco contre Salt Lake City, et on sera là bien sûr pour vos commentaires. Ça promet. La rencontre, bonne soirée à tous sur nos antennes et bah, très vite hein, pour la suite de cette Confederation Cup. Bonne soirée. Bonne soirée.